Mon visage. Mon visage. Merci. Regarde ce que tu es devenu. Ces maudits animaux. Une bête ignoble de plus. C'est tout ce qu'il reste de toi. Te souviens-tu seulement de ce que tu as fait à tes amis? Des monstres lâchés dans la nature. Et puis, on t'a trouvé. Ils t'ont laissé la vie. Ils pensent qu'on peut encore te sauver. Alors, je te le demande. Est-ce qu'il reste en toi la moindre parcelle d'humanité ? Peut-être. Godfrey, Godfrey, Godfrey. Ah! Pourquoi on m'a attaché? Mon roi! L'Alliance nous a rendu un grand service. Je lui en serai éternellement reconnaissant. Il faut que vous en sortiez, Obedia. Cette dose est assez puissante pour tuer un cheval. Mais je vous connais, je sais de quel bois vous êtes fait. Tout va bien se passer. Croyez-moi, je sais ce que vous endurez. Maintenant, buvez-moi ça et fermez les yeux. Oui, mon roi. Ah, j'ai fermé les yeux. Je sais pas si ça se voit à travers les lunettes, mais j'ai fermé les yeux. Hein? Oui. Ah! Je suis libre. Non. Jure? Jure, Godfrey. Qu'y a-t-il? Alors comme ça, la potion de Krenan ne vous a pas tué, hein? Eh bien, ça veut sûrement dire que la part humaine en vous est restée aux commandes. Je n'ai pas de raison de vous tirer dessus, du coup, enfin, pas encore. Alors, racontez tout ça à Krenan Aranas, c'est une bonne nouvelle pour lui. C'est lui qui surveille le bâtiment où on garde les gens de votre espèce. Mais rappelez-vous bien, Obedia, je vous ai à l'œil. Ayez seulement l'air de faire un truc pas net, et je vous colle une balle entre les deux yeux. Mais c'est sympa tout ça, merci. Bonjour, Krenan. Ça a marché, par la lumière, ça a marché! Ah oui, pour autant que l'on sache, il n'est pas possible de complètement guérir des effets de la malédiction. Néanmoins, un traitement approprié vous permettra de rester maître de votre esprit et de l'empêcher de se transformer en celui d'un animal sauvage. Je pense que la malédiction est un effet sur vous, car habituellement, cela ne fonctionne que pour les infections récentes. Si vous voulez avoir une chance de guérir complètement de la malédiction, il faut continuer le traitement. Je vais avoir besoin d'essence de mandragore pour vous concocter une nouvelle dose de mon sérum. Vous en trouverez dans une vieille caisse cachée sous un abri au sud-ouest de la ville. Trouvez la caisse d'essence de mandragore. Oui mon ami, pas de soucis. Je te vois et je sprinte sur toi. Haha. La caisse a été fracassée et les fioles à l'intérieur semblent avoir été brisées. Merde. Oula. Serait-ce des réprouvés? Ça ressemble à des réprouvés. Quêteur tué. Un long couteau dont la garde est ornée d'un crâne dépasse du côté du milicien. Tandis que vous recherchez des indices, aux alentours, vous apercevez deux vaisseaux de guerre à l'apparence menaçante sur le rivage. Gineas est envahi. Allez en aviser le maire de Havre-Soir, Gwen Amstel. Madame la mère! Madame la mère! Les amis de Gris-Tête sont mes amis. Cool! Des réprouvés, vite, Obedia! Nous devons organiser notre défense! Oui, madame. Les récifs nous ont toujours protégés d'une attaque maritime. Le tremblement de terre a dû ouvrir un passage qu'auront emprunté les bateaux des réprouvés. Dépêchez-vous, Obedia, ralentissez les attaquants pendant que je rassemble la milice. Je crois bien que j'entends le prince et quelques-uns de nos hommes engager le combat contre les réprouvés en ce moment même. Demandez à Liam si vous pouvez lui être d'une aide quelconque. Oh, et assurez-vous qu'il ne se fasse pas tuer. J'ai peur qu'il soit un peu imprudent dans son état. Surveillez-vous. Oui, madame. Oh, prince! Vous êtes torse-poil! Je viens vous sauver, mon prince! Mon prince, non mais je viens vous sauver, pourquoi vous... Merde.
Mon prince, Obedia, vous êtes vraiment vivant. J'ai cru faire un saut dans le passé en entendant votre voix. T'as vu ça? Empêchez-les d'avancer. Obedia, je ne sais toujours pas si vous êtes vivant ou mort, humain ou organ. Je ne suis même pas sûr d'être réveillé, mais s'il y a bien une chose dont je suis certain, c'est que nous allons nous débarrasser d'un grand nombre de ces maudits réprouvés. Oui, mon prince. Regardez par ici, Obedia, les gros trucs que l'on appelle les abominations. Ils ne se laissent pas faire, alors évitez de vous en occuper seul. Mais j'ai une idée tellement loufoque qu'elle pourrait fonctionner ou vous tuer, si nous ne sommes pas prudents. Il y a des tonneaux de poudre à canon sous les cabanes et près des moulins. Prenez-les et jetez-les au visage de ces abominations. Je m'occuperai du reste grâce à votre... grâce à ce bon vieux tromblon. D'accord, on pourra choisir avec du pinard. Oui. Bon, déjà, on va buter les envahisseurs. Et de 1. Et de 2. Hop les. Et de 3. Et de 4. Combo. Hack. Hop les. Pouf. 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 Mais j'ai à peine t'en tuer un qu'il y en a un autre qui arrive. Donne-moi ça à toi. Parfait. Il tire au canon quoi. Hop les. Et 8. Raté. Hop les. Mon prince combat à mes côtés, je ne peux être défait. Allez, un petit coup, et c'est bon. Tac. Yal. Bon, ça, c'est fait. Et c'est parti. Aïe. Aïe, mais merde. Casse-toi, tu pues, et marche à l'ombre. C'est bien le... Voilà, merci. Faire les 5 petites pièces. Hop, et de 1. De 2. Et un bonhomme. Pouf. Ça va faire mal. Peu. Bien joué. Ah, c'est dégueulasse. Allez, mon prince, faites feu. Pion. À ton tour. Mais non. T'écrases rien. Pas pareil. C'est moi qui t'écrase. Ok, on va voir si le prince est un véritable sniper ou pas. Ah. Allez-y. Mauvais pressentiment. Qui est con. Un chouet. Bon, par contre, pour revenir, on va... Je suis pas en train de combattre. Je ne suis pas en train de combattre, c'est faux. Voilà, on va y aller en mode discret. Mon prince! Oui, je suis une ombre qui vous parle, mon prince. Oui, Obedia, comme au bon vieux temps, il faudra que je fasse des efforts pour ne pas vous tirer dessus, mais Krenan nous a tout expliqué. D'accord, cool. Et vous et moi, nous formons une belle équipe, Obedia. Je suis content de vous revoir. Cool, merci. J'aimerais un petit peu de pain épicé, s'il te plaît. Vu que l'eau permet de récupérer une mana, sauf que je n'utilise pas de mana. Donc ça va être très très simple pour ces choix-là. Nous allons prendre la relève, Obedia. Allez voir le maire Armstead. Je vais y arriver. Ce n'est qu'une petite partie des troupes réprouvées. Si nous ne bougeons pas rapidement, nous allons bientôt nous retrouver avec un plus gros problème sur les bras. Voyez ce que vous pouvez faire pour engager le combat contre les réprouvés sur le lieu de débarquement. Madame la mère! Madame la mère! Bonne nouvelle, Obedia. J'ai envoyé le reste de la milice sur le rivage pour affronter les troupes réprouvées. Cool. Le seigneur Godfrey mène l'attaque près du site de débarquement des réprouvés. Voyez ce que vous pouvez faire pour nous aider à repousser l'envahisseur. J'ai entendu dire que Godfrey a réquisitionné l'abri de la ferme des Allen. Loin à l'ouest, pardon. Allez le voir là-bas. Quoi, c'est la guerre ici. Il y a des engins de siège, tout ça, c'est la violence. Même des moutons. On rentre comme dans un moulin ici. Seigneur Godfrey. Les réprouvés sont très grand nombre. C'est à peine si nous avons assez d'hommes pour les contenir. Viens aider. Je ne vais pas vous mentir, Obedia, je n'aime pas beaucoup l'idée d'avoir des Wargun de nos rangs. Qui sait combien de temps la décoction de Krenan fera effet avant que vous ne tentiez de nous être arraché la tête, pardon. Toutefois, en attendant, nous pouvons faire bon usage de votre férocité. Je veux que vous alliez sur le champ de bataille et que vous tuiez autant de réprouvés que possible. N'hésitez surtout pas à être brutal. Les Worgen leur inspireront, pardon, bientôt la peur Obedia. Cool. Deux réprouvés sont dans un bateau. Les réprouvés sont en train de nous botter les fesses avec leur catapulte, Obedia.
Et même si nous nous chargeons de ces machines, leurs deux bateaux armés de canons se tiennent prêts. J'ai un plan pour faire une pierre deux coups, et vous, vous jouerez le rôle de la pierre. Débarrassez-vous des machinistes qui manœuvrent les catapultes, utilisez ensuite l'un de ces engins pour aborder le vaisseau réprouvé. Si vous ne visez pas trop mal, vous devriez atterrir sans trop de dégâts. Une fois à bord, descendez sous les ponts et occupez-vous des capitaines de chacun des bateaux. Bonne chance, voleur. Pas une mauvaise idée. Melinda, les soldats ne veulent pas me laisser sortir de cette cave, mais mes enfants sont toujours à la ferme. S'il vous plaît, vous devez aller les chercher. Les réprouvés ne font montre d'aucune compassion pour les vies innocentes. Mes enfants courent un grave danger. Ils s'appellent Cynthia, Ashley et James. Si vous les trouvez, ramenez-les-moi, je vous en serai à jamais reconnaissante. Oui, madame. On va s'occuper des gamins en premier. Ha ! James ! Direction la cave. À l'intérieur de cette maison ? Bien, d'accord. Ah. Oh. Coucou, toi. Allez, décède. Putain, il est solide. Eh, mais il est niveau 7, je suis niveau 4. 6 ? 6. Peut-être plutôt 6. 6. Bon, c'est déjà ça. Je vais gagner. Mais de l'XP au moins. Cool. Hello ? Hello ? La voilà. Gamine. Rejoignez-vous dans la cave, c'est la porte d'à côté, dépêchez-vous. Cynthia est cachée près des cabanes, j'y vais. Quelle cabane? Apparemment ils appellent ça une cabane. Cynthia, pourquoi? Non, chiale pas, tais-toi. Cynthia, dans la cave. Parfait. Bon maintenant, buter du réprouvé. Et deux. Ah merde, je croyais que ça allait le finir. Et deux, un. Enfin, ça fait deux au total, mais... Oh, une tunique de guerrier que je ne pourrais sans doute pas porter, vu qu'elle est sans doute en maille. Voilà. Bon, autant se rapprocher d'une des catapultes. De deux des catapultes. Coucou. Hop là. Elle est en mode ninja. Haha. Surprise! Hop là, c'est fini! Au suivant. Coucou, toi! Je viens aider un copain, ça te dérange pas? Hop là. Allez, décède. C'est bien. Plus que 3. Au suivant, chers amis. Et tu es décédé. Niveau 7. Coucou! Et tu décèdes! Alors, fais-moi le fier, hein! Et enfin, chers amis! Hop là! Alors? Alors, mademoiselle? Fais pas le poids! Hop! Plus qu'à occuper une de ces catapultes, et je préfère encore prendre place moi-même! Ah bah, c'était facile en fait, dans cette catapulte. Ok, donc. Hop là, c'est parti! Wouhou! Marin réprouvé. C'est pas lui qu'on cherche. Mais bon. Est-ce qu'il va venir? Je pense qu'il va venir. Ah, il vient pas. Allez, décède. Coucou. Bon, il y a du monde en tout cas. Décède. Et un de plus. Plus que deux. Hop là. T'inquiète pas, je réserve une surprise à ton capitaine. Hop là. Viens là, vile créature. Putain, t'as du PV, toi. Allez. Allez.
Il m'a fait un truc, je sais pas quoi, mais il m'a fait un truc. Hop là, c'est bon, ça c'est fait. Bon, la fuite. Youhou. Ok, on y retourne. Ayo. Ciao. Du coup, c'est par où? Serait-ce par ici? Ah. Toi, tu vas commencer par prendre des coups. Et te coucher. Voilà. Maintenant, c'est au tour de ton capitaine. Maurice! Maurice! Viens par là, Maurice. Jolie petite veste, Maurice. Un peu... trouvée par tes propres os, mais sinon assez jolie. Et d'ailleurs, en parlant des os, voyons voir si on peut éviscérer. Même si les viscères, normalement, ça n'a aucun rapport avec les os. Ce n'est pas grave. D'ailleurs, est-ce qu'on peut vraiment éviscérer un cadavre? Oui, techniquement, oui, j'imagine. Ouh, une cape. Est-ce une cape plus intéressante que la mienne? Oui. Et plus joli. C'est parti. Ciao. Coucou, c'est moi. Madame, j'ai sauvé vos enfants. Oh, comme vous avez le poids. Mes enfants sont sains et saufs. Ce que vous avez accompli est merveilleux, Obedia. Je ne sais comment vous remercier. Bah, donnez-moi vos jambières. Marchez la tête. Merci. Oui, compte sur moi. Elles sont jolies. Ouais, ça va. Elles sont stylées. D'ailleurs, en parlant de stylées... Il faut que je libère la bête. Pas mal, Obedia, je suis content que vous soyez de notre côté. La dague de Godfrey. Cool. Bien joué, Obedia, vous êtes peut-être une bête féroce, mais au moins, vous vous battez pour nous. Et des gants pour aller avec la dague. Ouh, vous avez fait de l'excellent travail jusqu'ici, Obedia. Nos éclaireurs ont identifié le chef de l'assaut terrestre des réprouvés. L'un des forestiers sombres désignés par Sylvanas surveille le front depuis la demeure des Walden, près du rivage. Prenez le sifflet, utilisez-le lorsque vous aurez suffisamment de... Parce que vous serez suffisamment proche du forestier sombre. Je vais ordonner à mes hommes de lâcher leur mastif d'attaque sur elle. Soyez prudent, Obedia. Vous n'aimeriez pas vous retrouver seul avec elle. D'accord. Intrigant, mais d'accord. Passe-moi. Bien. Ouh. Et le stylet aussi au passage. Cool. Donc il est légèrement différent. Cool. Cool, cool, cool. Alors comme ça, c'est ici... que notre ennemi se cache. Bien, voyons voir. Wouah! Wouah! Elle a 1100 PV. Ok, on va pas la tenter, hein. À l'assaut! Ouh, l'agression. L'agression! L'agression des chiens. J'attaque l'autre fantassin. Et vous savez quoi? Je vais l'attaquer aussi. Parce que moi, je ne fais pas les choses à moitié. Hop là, bouffe! Il se fait agresser par les chiens en tout cas, hein, mais alors de manière extrêmement violente. Hein. Hop là, dégage. Merci d'être venu, au revoir. C'est bon, c'est fait! J'ai bien travaillé! Vous avez réussi, Obedia, ça devrait les ralentir un bon moment. Parfait, alors. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce que ça pouvait bien être, Obedia? Ni des canons, ni des catapultes, ça j'en suis certain. Sortez voir ce qui se passe. Ouah! Ouah, c'est quoi ce bordel? Attends, je mets mon armure. Elle est jolie, mon armure. Ouais, elle est stylée. Coucou. Il reste plus rien. Ok. J'en connais un qui a survolé la région. Pour Gilneas. L'océan, Obedia, il a tout avalé. La terre, les réprouvés, nos hommes. Obedia, j'étais en route lorsque ça s'est produit. Il n'y a pas un instant à perdre. Une bonne moitié des veilleurs de la ville étaient dans les environs lorsque la terre s'est effondrée. Sauvez autant d'hommes que possible. Sortez-les de l'eau et ramenez-les jusqu'au rivage. Je m'assurerai qu'on leur apporte toute l'aide nécessaire. Bien, mon prince. Oh putain, oui, ils sont agressés en plus. Allez. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié, les réprouvés ils peuvent rester sous l'eau. Sans problème. Il y aura, moi je peux rester 3 plombes sous l'eau aussi. Hop. Allons-y, bonhomme, allons-y.
Et de 1. Et de 2. Et de 3. Et voici le dernier, mon prince. C'est bon. Il en reste des millions, mais c'était pas grave. Vous avez fait ce que vous pouviez, Obedia. Avec un peu de chance, d'autres trouveront un moyen de regagner le rivage. Parfait. Level up! Après Kuba. Nous avons survécu par pure chance, Obedia. Et notre bonne étoile nous abandonne. La côte est submergée alors que nous discutons. Et d'après ce que je peux voir, la terre sous nos pieds ne s'est pas encore stabilisée. J'ai horreur d'avoir à le dire, mais nous devons partir. Malédiction, Obedia. Je ne peux tout de même pas perdre ma terre natale une seconde fois en une seule vie. Mais ces séismes sont des ennemis que nous ne pouvons combattre, dit à Gwen Armstead de commencer l'évacuation. Parfait. Parfait, mon prince. Puis-je prendre un de vos canassons pour aller plus vite? Madame la mère! Madame la mère! J'ai un mauvais pressentiment. Il y a ma raison, nous devons emmener les gens sur les hauteurs. Il faut que vous m'aidiez. Annoncez la nouvelle pendant que je m'occupe des préparatifs d'évacuation. Grand-maman Wall, nous allons avoir du mal à convaincre grand-maman Wall de nous suivre. Faites tout votre possible malgré tout. Vous la trouverez au cottage des Wall. S'il vous plaît, Obedia, soyez patient avec elle. Elle est vieille et n'a plus toute sa tête. Tiens, les frères Hayward. Les pêcheries Hayward se trouvent bien loin au sud. Les frères Hayward sont à leur tête depuis des années. Ils viennent rarement en ville, excepté pour vendre leurs poissons. Allez leur annoncer que l'évacuation est en cours. Vous vous souvenez de Norna, la fille du seigneur Darius Crowley, je suppose? Elle ne s'est pas vraiment remise de la mort de son père Gilneas. Depuis, elle vit en ermite. Le seul visiteur qu'elle a accepté de recevoir, c'est Krenan. Et il dira rien de tout ça. Allez lui apprendre que nous évacuons la ville. D'accord. Okay. Mais ça, chers amis, nous le ferons dans le prochain épisode. En tout cas, merci d'avoir regardé celui-ci. J'espère que cette série va vous plaire. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Je reviens sur le jeu de manière complètement fraîche et nouvelle. Avec un compte comme vous auriez presque vous commenciez le jeu. Donc voilà, si vous êtes intéressé, dites-le moi. Si la série vous plaît, dites-le moi aussi dans les commentaires. Dites-le moi aussi avec un petit pouce vert. Et moi je vous retrouve dans la suite de cette aventure prochainement sur la chaîne. Salut et yop!